Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. J'en profite aujourd'hui, je ne travaille pas du temps de midi, donc j'avais envie de vous faire une petite guidance avec le cercle messager des anges de Dorine Virtue. Donc c'est une guidance qui est intemporelle, ce qui veut dire que peu importe à quel moment vous regarderez la vidéo, si vous êtes amené à la voir, c'est qu'il y a un message qui est pour vous. Et tout de suite, eh bien, je vous invite à passer au tirage. Comme je vous l'ai dit, je vais donc utiliser le cercle messager des anges de Dorine Virtue. Alors c'est un très vieux jeu de plateau, enfin très vieux, il a quelques années. Mais aujourd'hui il n'est plus édité, donc si ce jeu vous intéresse, eh bien je vous invite tout simplement à fouiller, à faire des sites type le Bon Coin, Vinted, Internet, et puis essayer de voir si vous pouvez trouver un exemplaire. Qui plus est, si vous trouvez un exemplaire, ne soyez pas étonné de certains tarifs. Alors faut pas non plus exagérer, hein, parce que vendre ce plateau 300 balles, c'est peut-être un petit peu cher. Mais en revanche, voilà, ne soyez pas surpris sur le prix de ce jeu, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un jeu qui n'est plus édité. Pour compléter notre cercle messager des anges, je vais faire combo spécial Dorine Virtue. Je vais utiliser l'oracle des anges et les réponses angéliques. Comme vous pouvez le voir, donc sur le plateau, on va avoir 12 domaines qu'on va aborder. Je les ai divisés arbitrairement en deux pour qu'on puisse travailler sur deux domaines. Et on va s'en référer au hasard avec les dés de cristal qui sont fournis avec pour définir donc les deux domaines avec lesquels nous allons travailler. Pour le premier domaine, nous aurons un 1, donc ce qui veut dire que en plus, regardez, j'ai vraiment pas fait exprès, j'ai choisi l'orange et on tombe sur l'orange et on parlera des enfants pour le premier domaine. Et le deuxième domaine, avec un 3, 1, 2, 3, et nous parlerons des sentiments. Et maintenant, on va venir définir donc sur notre colonne quel est précisément le sujet que l'on va aborder. Alors pour les enfants, nous avons un 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on nous parle d'encadrement, les amis. Et on va voir maintenant le message que les anges nous prodiguent concernant l'encadrement des enfants. Allez, on va s'en prendre deux. Nous avons le chakra du cœur et l'acceptation. Ah, ça c'est intéressant. Alors le chakra du cœur, qu'est-ce qu'il nous dit? L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Allez, je vous montre la carte de plus près. N'hésitez pas à mettre pause pour la relire. Et la deuxième, nous avons l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Donc, comme vous l'aurez compris, on nous parle ici d'acceptation et d'amour liés aux enfants. Il se peut peut-être que certains d'entre vous traversent une période un petit peu difficile par rapport à ces enfants. Alors, ça peut être enfant, petit enfant également, ou peut-être un travail en lien avec les enfants. Si par exemple, vous travaillez dans la scolarité, si vous êtes pédopsychiatre ou autre, ce genre de domaine-là. On vous parle ici d'amour et d'acceptation. Il se peut que vos enfants à l'heure actuelle soient rentrés dans une phase un petit peu compliquée pour eux-mêmes, car peut-être que votre vie en ce moment est elle-même compliquée. Et il faut savoir que les enfants sont de vraies éponges émotionnelles. Ils captent tout. Ils ne sont pas encore en âge de pouvoir mettre des mots sur les mots, mais en revanche, les mots M-A-U-X, ils les comprennent très bien. Et ils savent ressentir exactement ce qu'il se passe dans l'environnement. Donc peut-être que vos enfants sont en train de
vous montrer qu'il y a quelque chose qui cloche. Peut-être qu'ils sont rentrés dans une phase, soit, alors je ne vous le souhaite pas bien sûr, mais ça peut être une phase d'autodestruction, ça peut être de la rébellion, ça peut être, comment on pourrait dire, un manque par rapport à l'autorité. Peut-être qu'ils ne vous écoutent plus, ils n'acceptent plus vos ordres. Ils sont rentrés vraiment dans une phase où, voilà, où ils n'acceptent absolument plus rien, ou peut-être qu'ils sont en colère de façon permanente, peut-être qu'ils ont du mal à dormir, peut-être qu'ils expriment certains mots comme ils le peuvent, comme ils savent le faire, hein, parce qu'un enfant n'est pas comme un adulte, enfin, quoique parfois on a des adultes qui sont comme des enfants. Et par moment, on a des enfants qui se révèlent plus matures que les adultes eux-mêmes. Mais voilà, peut-être que vos enfants se montrent, traversent une période un petit peu difficile et vous avez vraiment du mal à les comprendre. Vous avez tout essayé, peut-être que vous avez des rendez-vous réguliers avec un psychologue, avec une aide, avec quelqu'un d'extérieur. Peut-être que vous avez aussi l'école qui vous contacte assez régulièrement pour vous faire part de problèmes de comportement. Eh bien, tout ceci révèle certainement un mal-être dans leur corps, dans leur cœur, dans leur esprit. Peut-être qu'ils sont en train de se chercher également. Ça peut être, pourquoi pas, une évolution sur leur voie sexuelle si jamais ils sont arrivés à un âge d'adolescence. Donc peut-être qu'ils recherchent leur identité, peut-être qu'ils recherchent qui ils sont vraiment, peut-être qu'ils sont aussi en quête de réponses, tout comme nous le sommes, hein, en tant qu'adultes, nous cherchons tout le temps des réponses. Et bien un adolescent ou un enfant, lui aussi, il a beau être jeune, lui aussi a le droit à des réponses et lui aussi se pose des questions. Certes pas les mêmes que nous, mais si par exemple il voit ses parents se disputer régulièrement, bah peut-être que dans sa petite tête il est en train de se dire que papa et maman, ou papa papa, maman maman, on s'en fiche, et bien peut-être qu'il est en train de se dire que c'est fini, ils vont se séparer, etc. etc. Peut-être que vous avez déménagé, peut-être qu'il y a eu un changement dans votre vie qui fait que votre enfant a changé d'attitude et de comportement entre temps. Et ce qu'on vous demande, c'est de ne pas juger, de ne pas être ferme, de ne pas être dur, mais vraiment essayer de comprendre ce qu'il se passe. Et si vous ne parvenez pas à comprendre, parce que parfois on ne comprend pas toujours, surtout les enfants, les adolescents, c'est compliqué pour discuter avec eux, même si nous-mêmes on est passé par ces phases-là et qu'on a plus ou moins connu des choses similaires, c'est très compliqué et très délicat de pouvoir discuter avec eux, eh bien ne les brusquez pas, ne les forcez pas, s'ils n'ont pas envie de parler, eh bien ils ne parleront pas. En revanche, ce que vous pouvez et ce que vous devez faire, c'est tout simplement les inonder d'amour, leur montrer que vous êtes là, que vous êtes toujours présent, que vous les aimez, que les choses ne changeront pas, que vous restez tel que vous êtes, et que même si la vie évolue, se transforme, ou si eux-mêmes évoluent et se transforment, eh bien il y a des choses qui ne changeront pas, vous serez toujours là pour eux. Et donc ce qu'on vous demande en fait, c'est d'accepter. Alors je sais que ça peut être extrêmement dur comme exercice à faire, d'accepter sans comprendre ce qu'il se passe, mais tout simplement j'ai envie de vous dire, c'est un peu le même type de conseil que je peux vous donner pour les adultes, c'est-à-dire que lorsqu'il se passe quelque chose dans notre vie qu'on ne comprend pas, et bien tout simplement il faut l'accepter. Ça sert à rien de se poser 10 000 questions et pourquoi et comment et où et etc etc. Non, parce que la plupart des questions, nous n'aurons jamais la réponse, donc pourquoi se torturer l'esprit en se rajoutant des choses supplémentaire, alors qu'en fin de compte, il suffirait tout simplement d'accepter les choses telles qu'elles sont et puis laisser faire la vie, laisser faire le destin. Pour la problématique que vous rencontrez à l'heure actuelle avec vos enfants, un petit enfant, comme je vous l'ai dit, quelque chose en lien avec un enfant, on vous demande tout simplement d'accepter. Ne cherchez pas à comprendre, hein, ce n'est pas ce que les anges sont en train de vous dire. Ne cherchez pas à comprendre, ne vous posez pas 10 000 questions. Ne vous torturez pas l'esprit, parce que du coup l'enfant va le ressentir et ça va lui ajouter du stress et de l'angoisse à ses angoisses à lui. Donc ne rajoutez pas, en fait, n'en rajoutez tout simplement pas. Montrez tout simplement votre amour, montrez que vous êtes là pour lui, que vous serez présent. Inondez-le un maximum d'amour, qu'il soit baigné dans une lumière, vraiment quelque chose d'extrêmement bien, bienveillant et de protecteur, et tout simplement accepter qui il est en train de devenir, accepter les modifications, l'évolution, accepter peut-être que votre enfant, ça peut être une acceptation aussi par rapport à vous, hein, peut-être que votre enfant aujourd'hui est en âge de partir, peut-être qu'il a rencontré une copine, un copain, et que qu'il a envie de partir, qu'il a trouvé son appartement, et c'est compliqué pour une maman ou pour un papa de laisser partir son enfant. Et bien l'acceptation peut être aussi par rapport à vous, c'est-à-dire accepter qu'aujourd'hui ce n'est plus votre petit garçon, ce n'est plus votre
petite fille et qu'aujourd'hui il ou elle est en âge eh bien, de faire sa propre vie et qu'il faut, eh bien, même si c'est très compliqué, accepter de lâcher un petit peu du lest, accepter de couper ce cordon pour le laisser eh bien, tout simplement s'envoler et prendre sa route. Donc l'acceptation elle est aussi dans les deux sens, mais j'ai envie de dire que l'acceptation pour le coup elle est plus dans notre sens à nous, puisque un enfant quelque part il est comme il est et on doit l'accepter tel qu'il est. De toute façon on n'a pas à lui dire change, je te supporte plus, etc. Non, un enfant est comme il est et c'est à nous de faire un travail sur nous-mêmes, sur notre acceptation, sur notre potentiel à pouvoir tolérer les choses. Alors je peux comprendre aussi que pour certains parents il peut être délicat si son enfant annonce que eh ben il est gay ou que ceci ou que cela, je le comprends. Par contre il y a des actions que je ne pardonne pas, c'est-à-dire exclure son enfant. Son enfant a beau être la pire créature du monde, un délinquant, tout ce que vous voulez, il restera jamais votre enfant, il restera jamais le fruit de vos entrailles. Et pour cela vous devez quand même avoir un minimum de respect et d'amour pour votre enfant. Hein, c'est une part de vous-même, c'est un être humain, c'est un être vivant, donc il est comme il est. Hein. Très souvent, en plus, je parlais en petit aparté, le fait d'être gay n'est ni une maladie ni quoi que ce soit, c'est comme ça, c'est tout, ça ne se discute pas, ça fait partie des goûts, des couleurs, de l'identité de la personne. On n'a pas à juger, on n'a pas à ne pas accepter, on n'a pas à rejeter l'indifférence, c'est comme ça, c'est tout. Voilà donc mes chers amis pour ce premier domaine d'expertise. Nous allons regarder maintenant avec... Attendez, pensez à une petite question, j'allais oublier. Je vous invite à poser une petite question dans votre tête ou à haute voix par rapport, eh bien pourquoi pas, au domaine que nous venons de traiter et je vais vous donner la réponse. Et nous avons affirmez-vous. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette réponse ? Eh bien, j'ai envie de vous dire que, comme son nom l'indique, affirmez-vous. Si la question que vous aviez dans votre tête, il est possible que vous ayez déjà la réponse en vous. Eh bien, tout simplement, affirmez ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez une intuition par rapport à votre question. Peut-être que vous avez, comme je vous l'ai dit, plus ou moins la réponse ou des éléments de réponse comme des pièces de puzzle qu'il faut remettre un petit peu dans l'ordre. Et tout simplement, affirmez votre réponse. Affirmez... J'allais dire votre autorité, alors oui et non. Quand je dis votre autorité, c'est dire que je pensais par exemple aux enfants, je vais y revenir. Quand je vous dis de ne pas brusquer votre enfant, oui. Mais en même temps, n'oubliez pas quand même de lui rappeler que vous êtes la figure paternelle. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un copain, vous n'êtes pas une copine. Qu'on soit bien d'accord. Il faut quand même que chacun tienne son statut et que chacun tienne son rôle. Que vous soyez un confident, que vous montriez présent, aimant, etc., etc. Oui, par contre, vous n'êtes pas la copine. Et essayez de ne pas empiéter ou de ne pas rentrer dans le domaine de votre enfant parce que vous pensez que c'est la bonne méthode, parce que ainsi vous allez mieux le comprendre, etc., etc. Non, respectez vraiment ses limites, respectez son jardin intime. Je vais vous prendre un exemple très concret. Imaginons que le monde dans lequel il se réfugie sont les jeux vidéo. Ne vous mettez pas dès demain à jouer à des jeux vidéo pour essayer d'attirer son regard, son attention, et pensant que vous allez pouvoir partager des choses et ainsi le comprendre, etc., etc. Non, parce que ça sera faux. Ça sera faux, il va le sentir, il va le comprendre aussi, et c'est pas forcément la meilleure méthode. Donc laissez-le vraiment dans son environnement à lui, avec son jardin secret, mais voilà, affirmer quand même certaines choses. Donc si pour vous, vous avez un besoin d'affirmer votre réponse, si vous avez besoin d'affirmer également votre figure parentale, votre autorité parentale, n'hésitez pas à le faire, ça peut être une bonne chose, c'est-à-dire je te rappelle quand même que je suis ta maman, que je suis ton papa, tu peux me parler, ceci, cela, voilà, mais ne vous imposez pas non plus. Il y a une grosse différence entre s'affirmer et s'imposer. S'affirmer, c'est vraiment quelque chose de positif. S'imposer, en revanche, ça, c'est beaucoup plus négatif. Allez, maintenant, on passe au deuxième domaine. On avait rien du tout. Allez, pour le deuxième, on avait les sentiments. Et nous avons un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je ne vois rien du tout. Guérison du cœur. Je voyais générosité.
Allez, guérison du cœur. Peut-être que ici, ça nous parle, enfin, c'est pas un peut-être, c'est même sûr. Ici, on nous parle certainement de blessures. Ça peut être trahison, tromperie, mensonge, révélation. Ça peut être plein de choses. Hein. Peut-être que ça peut être lié aussi par rapport au domaine des enfants. Peut-être que vous vous sentez blessé par rapport à ce qui arrive en ce moment. Vous vous sentez peut-être rejeté ou mal compris ou isolé également et cela vous blesse ou il y a peut-être une blessure et par conséquent, on vous demande de guérir vous. Allez, nous avons la loi d'attraction et le moment choisi. Pour la loi d'attraction, les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Je vous montre la carte. Pareil, n'hésitez pas à mettre pause pour la lire. Et pour la deuxième, nous avons le moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas et ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. On a un message qui est, je trouve, très fort et qui est vraiment très intéressant ici à travailler puisqu'on nous parle de loi d'attraction et en même temps que c'est le bon moment pour faire les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes fin prêt pour enfin guérir de vos blessures. Soit il est temps pour vous de faire le deuil, de tourner la page définitivement. Enfin, pour moi, je pense que la page est déjà tournée. Il vous suffit juste, en fait, d'entamer un nouveau chapitre. Et ça va être psychologique, mais le fait d'écrire quelque chose de nouveau, eh bien, ça va vous inciter, vous inviter, vous obliger vraiment à passer à autre chose. Pour moi, vous avez tous les éléments en votre cœur, en votre âme et conscience. Vous avez absolument tous les outils nécessaires pour pouvoir guérir de cette blessure. Alors attention, je vous disais que peut-être c'est lié avec le premier domaine, à savoir les enfants. Ça peut être autre chose, qu'on soit bien d'accord, ce sont deux domaines distincts. Donc ici, la blessure, ça peut être plein de choses. Peut-être qu'on vous a menti, trahi, manipulé ou autre. Peut-être que vous avez appris des révélations sur votre famille, des secrets, des choses assez importantes. Peut-être que vous avez été licencié. Peut-être que vous avez traversé une période extrêmement difficile. Peut-être que vos amis vous ont laissé. Peut-être que vous avez divorcé ou autre. Que sais-je, hein, les mots MEX sont nombreux. Mais dans tous les cas, cette blessure aujourd'hui, elle est sur le point d'être cicatrisée. C'est-à-dire qu'elle a presque fini sa cicatrisation. En fait, tout ce qui reste aujourd'hui, ce n'est pas une blessure qui saigne, mais c'est un traumatisme. Et c'est sur ce traumatisme-là que vous devez travailler. Puisque pour moi, ici, la loi d'attraction, elle est très forte. Et ce message est très fort dans le sens où, eh bien, vous n'irez pas mieux tant que vous ne vous direz pas que vous allez mieux. Vous comprenez? C'est la loi d'attraction. C'est-à-dire, tant que vous êtes comme ça, gangréné par votre fléau, par votre mal-être, eh bien, vous allez vous-même alimenter ce mal-être, mais pire encore, vous allez attirer de nouveaux mal-êtres sur vous, ce qui fait que vous allez, en fait, vous engluer dans une sorte de cercle et de cycle dans lequel vous n'arriverez pas à vous sortir. Il faut vraiment que vous preniez conscience que, potentiellement, ce qui arrive en ce moment dans votre vie, peut-être que c'est dû, sans le vouloir, hein, parce qu'on fait les choses de façon inconsciemment, surtout pour se faire souffrir, hein, je veux dire, si on est maso, personne n'aime souffrir, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, il y a certaines blessures qui reviennent, non pas parce que c'est pour le plaisir de revenir, mais parce qu'on n'a pas terminé certaines choses, on n'a pas terminé un cycle où on n'arrive pas à se sortir de ce cycle et par conséquent, on attire toujours les mêmes choses, les mêmes personnes, les mêmes situations. Donc il est temps pour vous de véritablement guérir, de prendre du temps pour guérir, pour tout simplement eh bien, prendre conscience que ça y est, c'est fini, donc ça sert à rien d'en parler, ça sert à rien de tout le temps ressasser le passé en ne reviendra pas sur le passé, ce qui a été fait est fait. En revanche, le présent et le futur, eux, ils vous appartiennent et vous pouvez les construire comme vous, vous avez envie. N'oubliez jamais que le destin vous a écrit plusieurs scénarios. Hein. Vous n'avez pas qu'un seul scénario possible. Non, vous avez plusieurs scénarios. C'est-à-dire que si vous avez envie de finir SDF, vous pouvez très bien le faire. Hein. Vous laissez votre travail, vous vendez la maison, tout, et puis vous vivez dans la rue, vous pouvez le faire dès maintenant. Vous avez envie de devenir quelqu'un, vous pouvez aussi devenir quelqu'un.
quelqu'un. Vraiment, n'oubliez jamais que vos destins vous appartiennent. Certes, nous avons plusieurs possibilités qui s'offrent à nous, mais ce qui va vous rendre exceptionnel, ce n'est pas votre condition, ce n'est pas votre nature, mais ce sont vraiment vos actions qui vont déterminer qui vous deviendrez et si vous aurez une vie exceptionnelle. Ne l'oubliez jamais, ça c'est vraiment très important. Et aujourd'hui, vous êtes face à cette loi d'attraction. Et peut-être qu'à travers moi, le fait de vous dire que plus ou moins, vous êtes responsable de ce qui vous arrive en ce moment, peut-être que c'est le déclic qu'il vous faut pour vous faire comprendre que ah ouais, c'est vrai que y a eu ça, et puis j'arrête pas d'en parler, et j'arrête pas d'y penser, j'arrive pas à passer à autre chose, etc., etc. Et bien, trouver une solution pour passer vraiment à autre chose. Soit, je sais pas, vous régler le problème, si le problème peut être réglé, et s'il ne peut pas être réglé, et bien tout simplement, continuer d'avancer. C'est pas grave, hein, si quand on se foule une cheville, eh ben il faut le temps au corps pour guérir cette blessure, et puis une fois que la blessure est terminée, eh ben on est reparti à travailler, à courir, etc., etc. Eh bien c'est pareil pour le cœur et pour l'âme. Ça sert à rien quand la blessure est terminée, quand elle est fermée, quand elle est cicatrisée. Il faut ensuite se dédouaner de ce traumatisme et continuer à avancer. Surtout que là en ce moment, comme je l'ai dit les amis, c'est le bon moment. Vous avez les outils, vous avez ce qu'il y a. Ce qui est nécessaire pour pouvoir avancer. Donc utilisez tous les outils qu'il y a autour de vous, dans votre vie, dans ce qui est en train de se produire, extrayez tout le positif que vous pouvez en extraire et composez un nouveau présent qui deviendra votre futur avenir. Allez, je vous invite maintenant à poser une question à haute voix ou dans votre tête. Et nous avons la réponse, ça dépend de vous. Eh bien voilà les amis. Ça dépend de vous. Je crois que la réponse est plus que claire. Non seulement ici on nous fait comprendre que ce qui nous arrive est plus ou moins de notre faute. Alors attention, je ne vous condamne pas. Qu'on soit bien d'accord, hein, on est dans la bienveillance, on n'est pas dans le jugement, puisque moi-même, cela m'arrive de faire des erreurs, de retomber dans des habitudes, dans des cycles, et de me retrouver dans des situations passées que j'ai déjà connues, mais voilà, par, je sais pas, par un défaut, par une bêtise, par, je reproduis les mêmes choses. Eh bien, vous, c'est pareil, les amis, hein, donc ne vous condamnez pas, ça sert à rien, parce qu'en plus, vous allez vous rajouter, du coup, un sentiment négatif en vous disant, eh oui, t'es qu'une pauvre pomme, et tu fais toujours les mêmes bêtises, était une cruche, était ceci, était cela. Non, les amis, ça c'est pas bon. Ne réagissez pas comme ça, ne vous dites pas ça. Dites-vous simplement que vous avez fait ce qu'il y avait à faire, point. Vous avez vécu ce qu'il y avait à vivre, point. C'est comme ça, c'est passé. Vous ne reviendrez pas dessus. Maintenant, on avance et on n'en parle plus, on n'y pense plus, etc., etc. Vraiment les amis, ça dépend de vous tout simplement. Si vous avez envie de vous en sortir, si vous avez envie de guérir, si vous avez envie d'avancer, vraiment ça dépend de vous. Et ça je vous le dis, je vous le redis. Votre destin n'est pas scellé, votre vie n'est pas terminée, peu importe votre âge, même si vous arrivez à 70 ans et que vous vous dites « Oui maintenant moi je suis assez vieille pour faire une morte. » Non, 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 pourquoi? Pourquoi penser ça? Qu'il vous reste 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, on s'en fiche. Profitez du moment, profitez du temps qu'il y a encore devant vous et ne soyez pas dans cette démarche de vous dire oui, oh, non, 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 on n'est pas pessimiste, on n'est pas fataliste. S'il vous reste, même si, alors je vais être au plus négatif, imaginons qu'il vous reste 6 mois, eh bien profitez-en un maximum les amis, au contraire, profitez de ces 6 derniers mois pour vous créer un maximum de beaux souvenirs, pour vivre de belles choses, pour vous en avoir, pour vous en mettre plein la tête en fait, et finir eh bien avec un maximum de lumière et de bonnes choses, hein, vous comprenez? Donc ne soyez pas dans cette démarche, même si pour vous en ce moment c'est difficile, même si vous pensez que vous ne guérirez jamais de cette blessure, si, croyez-moi, vous êtes dans cette phase de rémission. Et la blessure est déjà guérie. Vous avez les outils entre vos mains pour eh bien, tout simplement tourner la page et en finir une bonne fois pour toutes. Voilà donc mes chers amis pour cette guidance des anges. J'espère que cela vous aura fait du bien. Moi je vous embrasse tous très fort. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos et de prochains messages. Prenez bien soin de vous.